Nous sommes lundi 4 octobre au Paris Cocktail Festival, donc à Paris Event Center. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux excellents barman qui viennent du bar classique dans le 9e à Paris, donc la rue. Rue Lallier. Quel numéro ? Au 1 bis, exactement. D'accord. Donc là, en fait, ce qui est intéressant donc, de la part de Hugo et de Guillaume, c'est qu'ils ont une magnifique vermouteria. Voilà, donc on va dire c'est des experts du vermouth. Donc un apéritif qu'on voit de plus en plus dans le monde du cocktail. Donc Hugo et Guillaume vont nous en parler voilà, de manière très historique et aujourd'hui comment on l'utilise dans le monde du bar. Donc je laisse la parole à Guillaume. Oui, donc pour faire un bref rappel sur ce qu'est le vermouth, dans les grandes lignes, parce que nous on ne le produit pas, on en fait juste des cocktails. Le vermouth, donc pour ceux qui ne sauraient pas, c'est un apéritif à base de vin qui est renforcé avec une eau de vie, puis aromatisé par l'ajout de plantes, racines, zestes, plein de choses. Puis édulcoré en fonction de la catégorie de vermouth. On va dire qu'il y a trois parties au processus de création d'un vermouth. Il y a d'abord le vin. En général, les vins qui sont sélectionnés pour la production de vermouth, ce sont des vins qui ont une grande neutralité aromatique et une bonne acidité, ainsi qu'une faible teneur en alcool. Donc, par exemple, en France, ça va être des vins à partir de cépages comme le Picpoul, le Colombard, l'Uni Blanc, la Clairette.
un peu de muscat. Des choses qu'on utilise pour l'armagnac ou le cognac. Exactement, parce qu'ils recherchent dans l'armagnac et le cognac, on recherche la même chose, on recherche un vin relativement neutre avec une belle acidité. Et pour l'Italie, on utilise principalement le muscat pour le vermouth type Carpano. Aujourd'hui, c'est vraiment sur le marché, c'est vermouth français et vermouth italien, alors, c'est ça ? Alors, c'est plus vraiment le cas là. D'accord. Là, on parle un petit peu de la tradition. D'accord. Ça s'explique pourquoi ? C'est parce que, en fait, Chambéry et Turin se sont un petit peu disputés la paternité du vermouth. En réalité, parce que en fait, le duché de Savoie était séparé en deux entre la France et l'Italie. Et du coup, quand ça a été séparé, Chambéry disait c'est nous qui avons créé le vermouth et Turin disait non, c'est nous. La vérité, c'est que c'est Turin qui est la ville père du vermouth. Ça a été inventé en 1786, si je ne me trompe pas, quelque chose comme siècle, ça. Alors. Ouais. C'est vieux par, comme le monde. Voilà, exactement. Ça, voilà. Par un monsieur qui s'appelle d'ailleurs Carpano. Ça a eu énormément de succès immédiatement. Les Italiens du coup le consommaient beaucoup à l'heure de l'apéritif. Ça a été du coup un tel succès fait que des grandes familles italiennes se sont emparées du vermouth pour le distribuer, pour s'enrichir. Je pense par exemple à la famille Cinzano qui a créé son propre style de vermouth. Donc ils ont créé tout un petit réseau pour exporter le vermouth et c'est le vermouth et du coup est arrivé en France après. Donc historiquement en effet ça vient de Turin, non pas de Chambéry. Donc au milieu 18e siècle ça. Exactement. Ouais. C'est en France après qu'a été créé le vermouth que traditionnellement on appelle le vermouth français, qui est un vermouth sec, qui a été inventé par Joseph Nolly, qui a donné Nolly Prat par la suite, en 44, un truc comme ça. Et là où il y a une petite guéguerre après France-Italie, c'est que les Français ont exporté en premier vers les États-Unis, du fait des relations historiques françaises-États-Unis. Aux États-Unis, ça a cartonné. Et les Italiens, du coup, étaient un petit peu mécontents et se sont rendus compte que peut-être ils ne devraient pas juste se réserver à l'exportation régionale. Et ils ont créé, du coup, des boîtes d'exportation. Pour développer largement le vermouth. Et je pense par exemple à ce qui est devenu par la suite Martini et Rosso, qui a participé en fait à l'explosion du vermouth dans le monde. C'est pour ça que traditionnellement, quand on prend des livres de recettes cocktail classiques, ils parlent de French vermouth et d'Italian vermouth. D'accord. En vérité, il y a plutôt trois catégories, on va dire le vermouth rouge ou sweet en anglais. Rosso, le vermouth dry, sec, qui s'apparente au style français, et le vermouth blanc. Le vermouth blanc a été inventé pour le coup par Dolin en 1930. C'est un style un petit peu entre les deux. Donc à Chambéry, c'est ça ? Exactement, toujours. Le vermouth du coup italien va être plus sucré, il est à partir de 150 grammes par litre environ, plus amer, plus riche, plus opulent. Le vermouth français, dry, il s'estitue à 40 grammes de sucre par litre, donc il est beaucoup plus sec, beaucoup plus frais, beaucoup plus anisé, il faut imaginer Chambéry, les Alpes, quoi. Et le vermouth blanc, il se situe un petit peu entre les deux, il a la couleur blanche comme le sec, mais il va être un petit peu plus sucré, un petit peu plus opulent, quand même moins que le rouge. Ça, c'est les trois catégories de vermouth, on va D'accord. dire, classiques. Ce qui, après, en fait, a fait le succès du vermouth, c'est vraiment son exportation vers les États-Unis, car... aux États-Unis, en fait, le vermouth a rencontré son meilleur ambassadeur, qui est le cocktail. Et parmi en fait les grands cocktails classiques que. Sont nés aux États-Unis. Exactement. Tu vas nous en parler, Guillaume Hugo. Exactement. Mais je vais rebondir là-dessus. Après un historique un peu détaillé et complexe de ce que c'est le vermouth, on va passer sur une phase plus simple à appréhender. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on connaît le vermouth ? Tout le monde sait ce qu'est un vermouth rouge ou un vermouth dry. C'est parce qu'on l'a toujours consommé en cocktail. Donc que ce soit déjà à l'origine en 1861, donc en Italie, on y buvait l'americano, qui est un mélange de vermouth rouge, de bitter, Campari et d'eau gazeuse. Les Américains qui étaient en Italie à ce moment-là étaient ultra friands de ça et il a été rebaptisé en 1917, ce cocktail, l'americano, parce qu'à la base, on ne l'appelait pas comme ça. Donc vraiment, c'était l'un des premiers cocktails à base de vermouth, et c'est ce qui a fait que tout le monde connaît ça aujourd'hui. Sans rentrer dans un cours d'histoire, il y a quelques cocktails ambassadeurs du vermouth. Il y a le dry martini, c'est l'exemple le plus probant, qui est dans la pop culture aujourd'hui, mélange de gin et de vermouth sec,
donc a été largement démocratisé par Ian Fleming, James Bond, etc., qui aujourd'hui, on y voue un culte absolu. Il y a le Connaught à Londres, fameux bar qui travaille le vermouth, enfin le dry martini de manière... Il y a Marianne Becquet aussi qui a... Marianne Becquet avec le Gibson voilà. Et on a donc le Gibson, c'est une variété de dry martini d'ailleurs. Exactement, ouais. C'est une variation avec un onion pickles. Et on a aussi le Duke's Bar qui lui, vraiment, a travaillé le côté très, très, très froid, donc de mettre le gin au congélateur et d'agrémenter que de quelques gouttes de vermouth. Donc, c'est qu'un petit relais comme ça, tu choisis ton gin, ton vermouth, là, Dukes, on peut, au Connaught aussi. Donc vraiment, il y a un culte de ça qui a largement propagé le vermouth à travers le monde. Sans quoi aujourd'hui, si le vermouth n'avait pas été, selon nous, présent dans la cocktail culture, ce serait une catégorie qui serait quand même bien plus oubliée aujourd'hui. Il y a un autre exemple que tout le monde connaît actuellement, c'est quand même le Negroni qui fait partie des cocktails les plus vendus à travers le monde. Et depuis quand d'ailleurs il y a vraiment une explosion du Negroni? Justement, voilà. Le vermouth, il a été consommé en cocktail dans les années 1860, comme on disait, avec l'Americano, début aussi 1900. Et après, ça a été réservé quand même pendant un temps à une certaine élite. C'est-à-dire que les cocktails étaient quand même pas démocratisés. Ça, c'était des bars d'hôtel, bars de palace. Et depuis les années 2000, la renaissance du cocktail, c'est là que le grand public a découvert vraiment les grands classiques de la mixologie. Et du coup, a eu ouï dire de ce qu'était un vermouth, de pourquoi, du comment. Et aujourd'hui, on est sur un produit qui parle au plus grand nombre. Bien qu'on ait encore des gens qui confondent Martini, la marque, avec le fait que ce soit un vermouth. Donc on est encore assez... on n'y est pas encore tout à fait, mais chacun aujourd'hui a eu ouï dire de ce que c'est qu'un vermouth rouge ou un vermouth dry via le cocktail. Pour nous, c'est le cocktail qui a fait que cette catégorie... Oui, c'est pas un produit qu'on consomme sur glace actuellement. Mais bien moins. On estime que si ce produit avait été un produit à consommer sur glace avec une rondelle d'orange, qui est d'ailleurs délicieux, j'encourage tout le monde à le faire, mais si c'était resté tel quel, on serait sûrement tombé dans une catégorie de vin fortifié oublié. Pour ne pas parler que de vermouth, il y a aussi une catégorie qui s'en rapproche, qui vont être les Jerez, donc les vins fortifiés espagnols, Amontillado, etc., Oloroso, qui eux aussi sont tombés quand même dans une catégorie un petit peu oubliée et qui, avec la renaissance du cocktail, ont refait leur apparition de manière très très puissante et qui souvent sont extrêmement associés au vermouth avec des cocktails ambassadeurs tels que le bambou qui va être à base de vin de Jerez et de vermouth, etc. Donc là, on est sur des cocktails moins alcoolisés, c'est encore ça. Voilà, exactement, on en parlait, on est sur des cocktails plutôt low ABV, qui sont sur des notes oxydatives et vineuses plus que sur des notes de spiritueux. Voilà un petit peu pour resituer le contexte du vermouth dans le cocktail. Et ce qui nous amène un petit peu, avec Guillaume, on a noté que ça a du coup créé une évolution du vermouth en soi. Le cocktail et la renaissance du cocktail, le fait que les barman se mettent à retravailler les grands classiques de manière plus poussée, plus culinaire, ça a aussi amené les producteurs de vermouth, ça a créé un marché et ça les a amenés à créer des produits plus contemporains. Et du coup, Guillaume, je laisse la parole à Guillaume pour un peu expliquer comment le vermouth a évolué au cours de ces 15 dernières années. Depuis l'explosion du monde du cocktail, en fait. Voilà. Exactement, en fait. Après la petite traversée du désert de 30-40 ans, avec la réapparition du cocktail craft dans les années 2000, en fait, le vermouth, les grandes distilleries de vermouth qui avaient leur vente en fait en chute libre, ont eu leur blason redoré parce que les barman du coup au début des années 2000 ont remis leur nez dans les grands classiques et en vendant du coup ces grands classiques en promouvant ces grands cocktails classiques le vermouth a par la même occasion eu la même promotion. Ça c'était le début des années 2000. Le cocktail a évolué pour être entre guillemets de plus en plus créatif, pour s'affranchir de beaucoup en fait de standards. Et le vermouth a vraiment suivi la tendance. Exactement. Pour répondre en fait à cette demande un petit peu de support créatif par les barman qui sont en fait des excellents ambassadeurs de tout ce qui se boit.
les producteurs du coup de vermouth ont, on va dire, haussé leur jeu et se sont aussi affranchis de pas mal de standards. On peut le voir même ne serait-ce que par exemple, tout à l'heure je parlais des cépages qui sont traditionnellement utilisés dans le vermouth. Ça a totalement explosé. Le vermouth rouge, traditionnellement, il a le nom rouge, pas par rapport à son cépage, mais par rapport à l'ajout de caramel qui le colore. Et on voit d'ailleurs les recettes traditionnelles de vermouth, elles sont pas rouges, elles sont brunes. Là, les producteurs de vermouth ont commencé à travailler un petit peu plus sur la matière première. Je pense à récemment des mecs comme la Maison d'Âme ou comme Tato Giovannoni s'associent en fait avec des vignerons pour que la matière première soit ait le même travail que la produit qualitatif. Ça fait évoluer la catégorie. Exactement. Et puis du coup, même il y a même des gars qui commencent à faire des vermouths rosés. Ce qui veut dire qu'il y a de plus en plus de producteurs aujourd'hui de vermouth. Exactement. C'est une catégorie qui était vraiment laissée à l'abandon. Voilà. Il y a même dans des producteurs entier. De vin nat qui se mettent à faire, à faire du vermouth. Oui. Je vois, et même il n'y a pas si longtemps que ça, je vois sur mon fil Instagram, je vois le Fils Milan, qui est une des plus belles maisons de vin nature en Provence depuis 30 ans. Mais il commence à faire des petites expérimentations, donc à faire son petit vermouth. Il s'est équipé d'un alambic. On a besoin d'un alambic ou pas pour Alors, faire... pas forcément. En fait, l'extraction des arômes se fait par plusieurs biais. En effet, la distillation en fait partie, mais on peut aussi extraire les arômes par macération et infusion. Donc tout dépend. Une fois que pour ajouter les arômes dans la matière première qui est le vin, pas forcément besoin d'un alambic. Et puis pour le renforcer, on peut toujours aussi acheter de l'eau de vie. Cette mouvance, du coup, tout le monde, en fait, ça explose parce que le vermouth, en fait, est une catégorie. En fait, qui est très libre, parce qu'à partir du moment où c'est un vin renforcé et aromatisé, le champ en fait des possibles est extraordinaire. C'est une catégorie qui ne peut que continuer à s'expandre, et en plus c'est soutenu par ce mini mouvement qui devient en fait de plus en plus conséquent, qui est le low ABV, qui est un mouvement, à mon sens, qui Donc le ABV, donc c'est les cocktails légers en alcool. Exactement, qui sont légers en alcool, qui répondent à une nouvelle manière de consommer. On ne sait pas quelle est la poule et quelle est l'œuf, si ça a été poussé par les autorités de santé, si c'est juste dans la mouvance de bien boire, moins boire. Moi, je pense que c'est plutôt un mouvement qui est très français, en fait, juste dans la conception du goût, parce que ça fait des cocktails qui sont beaucoup plus fins, beaucoup plus délicats, beaucoup plus subtils. Et c'est quelque chose qui se rapproche énormément du palais français, et on le voit dans la grande gastronomie française. Les grands chefs français, ils ont des palais très fins, très délicats. Et ils travaillent le vermouth aussi peut-être pour cuisiner aussi, non? Ça commence. D'accord. On voit même quelqu'un comme Anne-Sophie Pic, elle se met elle travaille beaucoup les apéritifs. Qui est une grande fan des cocktails, Anne-Sophie Pic, qui vient de monter son bar à Valence, bar Rose, c'est ça, non? Exactement. Ouais. Oui. Donc le vermouth a suivi aussi cette évolution, et c'est par l'évolution du cocktail que cette catégorie est en pleine expansion et s'est affranchie de toute. De tout standard, et nous on en est ravis. Même certaines grandes maisons ont suivi la mouvance. On voit des gars comme Luxardo, qui est une immense maison, qui s'est mis à faire son vermouth avec des queues de cerisier. Là tout le monde est emporté dans la locomotive. Mais il y a un petit cocorico, pour ne pas citer de marque, mais les premiers qui se sont affranchis des standards et qui ont introduit de la fraise dans leur vermouth, c'est la maison d'Olin. C'était vraiment les premiers à se dire... Donc à Chambéry, exactement, on va faire quelque chose un petit peu de plus moderne. Donc c'est sorti quand, ça? J'ai pas envie de dire de bêtises, mais c'est quand même assez ancien. Hein. C'est 1932, à peu près en même temps que le vermouth blanc, qui a été inventé par la même maison. Sans rentrer dans l'histoire, mais c'est quand même les Français qui ont ouvert cette voie et de dire le vermouth, ça peut être aussi quelque chose de plus récréatif. Bon, c'est bien, là on était innovant au niveau du cocktail. Voilà. On parle toujours des Américains, des Anglais, mais voilà. On a une touche. Ouais. Du coup, pour rebondir sur ce que disait Guillaume, là on est sur des choses assez historiques, assez pointues. Je vais introduire un peu, nous,
comment on trouve quel rôle a le vermouth dans le cocktail de manière classique. Donc quand on prend un exemple tout bête d'un dry martini, ça va être un alliage de gin et de vermouth dry avec une ou deux gouttes de bitter, éventuellement un zeste. Mais quel est le rôle du vermouth là-dedans? Ce qui est intéressant, c'est que le vermouth dry va vraiment avoir des similitudes avec le gin et il va venir apporter des notes. Il va venir en fait. Donc, vermouth dry, qu'on redise deux mots. C'est un vermouth sec, macération de plantes. Voilà. Voilà, donc disons que le vermouth dry va venir complémenter le gin et venir un peu l'adoucir. À l'inverse du vermouth sweet, qui lui est très rond, très gourmand et qui va complémentariser très très bien le gin et le bitter pour venir lier tout ça. Nous, on trouve que le vermouth dans les cocktails classiques a vraiment un rôle de liant. C'est quelque chose qui va pouvoir apporter des notes d'épices chaudes ou alors des notes végétales et qui vont permettre de créer des drinks somme toute très classiques mais assez complexes. Donc ça, c'est vraiment l'utilisation du vermouth dans la mixologie, dans l'histoire du drink et ce qui nous permet après de passer à l'approche qu'on a à classique qui est un poil différente puisqu'on utilise le vermouth comme structure d'un cocktail et non plus comme liant. Non plus comme structure, comme il y a la colonne vertébrale qui peut être le spiritueux et le vermouth qui va être un petit peu donc on peut dire deux mots sur le bistrot classique qui a ouvert maintenant il y a quelques mois. Et ben voilà, oui, ça fait 3 mois. Donc nous, on a ouvert dans le 9e classique, un bistrot où on utilise pour les cocktails essentiellement des apéritifs, des vermouths du coup, des bitters et pas mal de champagne. Donc en fait, on travaille vraiment que des produits un petit peu oubliés, un petit peu poussiéreux. Et on en fait quelque chose de fun, de ludique, dans une atmosphère vraiment très bistrot. Donc on a une petite photo là du comptoir. Voilà, exactement. Ouais. Donc c'était une ancienne pharmacie apothicaire, donc il y avait déjà tout le cachet du vieux café parisien. Et on y intègre un cocktail programme assez exigeant, tout en restant vraiment le plus simple possible sur les intitulés et en conservant cet accueil hyper bistrot, très chaleureux, puisqu'on ne travaille pas que les cocktails, mais aussi pas mal de vins naturels, de champagne, de bière, et la journée... Oui, comme un bistrot. Ouais. Voilà, et la journée, le café. Oui. Un réel bistrot à cocktail. On voulait s'affranchir de tout concept et de faire quelque chose qui s'inscrive dans le temps et dans la tradition française du bistrot. Voilà. Donc ça, c'était en effet décrit l'approche traditionnelle du vermouth dans le cocktail par mon cher Hugo Combes. C'est cette photo-là? Cette photo, c'est juste des négronis sur le comptoir. D'accord. Qui illustrent bien l'utilisation du vermouth de manière classique. On t'a coupé, Guillaume, excuse-nous, on était sur les photos. Ouais. C'est pas grave, oui. Donc en effet, à classique, notre approche du vermouth dans le cocktail a dû forcément évoluer car... au lieu de se retrouver en effet à un rôle de complément, de liant dans un cocktail, il se retrouve en fait être la structure principale du cocktail. On va dire qu'on a deux approches du cocktail au vermouth à classique. Je vais en décrire une, qui est ce qu'on pourrait appeler une approche inversée. On va illustrer bien sûr nos propos avec deux cocktails que tu vas pouvoir déguster. L'approche du coup inversée, en fait, on l'a plus ou moins baptisée comme ça, car notre manière du coup de fonctionner est inversée dans le sens où traditionnellement, quand tu construis un cocktail, tu vas partir du produit de base du coup de ton spiritueux, ou là en l'occurrence d'un vermouth, déguster le spiritueux, analyser sa palette aromatique, isoler deux ou trois arômes qui t'intéressent dans ce produit et les soutenir par l'ajout du coup d'infusion, de sirop maison, de toutes les techniques qu'il y a maintenant dans le cocktail moderne. Nous, on fait un petit peu l'inverse. En fait, nous, on va partir plutôt du produit en fait, de saison, du coup, qui n'est pas du tout un alcool, et on va créer en fait une saveur. Et à partir de cette saveur, on va sélectionner nos vermouths pour pousser cette saveur. Je vais donner du coup l'exemple de comment on a construit... Il y a combien de vermouths chez Classique?
en référence aujourd'hui ? On doit en avoir plus d'une trentaine quand même à utiliser. Donc qui sont pas nécessairement référencés. On n'a pas une carte de vermouth, mais disons qu'on se laisse le choix et on a énormément de vermouth pour avoir beaucoup de supports de création et pour, comme Guillaume l'expliquait, justement par rapport au booster goût, des saveurs d'un produit. Donc il nous faut le plus de vermouth possible. Mais après, encore une fois, nos cocktails, on y retrouve pas mal de vermouth, mais pas que. Ce sera aussi des assemblages. Je laisse Guillaume expliquer. Exactement. Là, Hugo vient de rebondir sur le mot qui est important après dans notre manière de concevoir le cocktail à classique. Une fois qu'on a inventé entre guillemets cette saveur, pour la soutenir, on va créer des assemblages. Car en fait, le vermouth et même un petit peu tous les vins mutés, tous les apéritifs à base de vin se prêtent beaucoup à ce jeu-là. Et on va créer des assemblages de vermouth qui vont soutenir le mieux possible cette saveur. Et à la suite de ça, le deuxième point sur lequel repose notre manière de fonctionner. C'est moi ce que j'appelle un peu la popote, parce que je n'irai pas jusqu'à dire cuisine parce que je suis pas prétentieux. Enfin, j'essaye. De toute façon, le cocktail, c'est de la cuisine liquide. Hein. Oui. On schématise, mais c'est vrai, un petit peu quand même. Bon, enfin, voilà. En gros. C'est un peu prétentieux de dire ça quand même. On n'est pas technique comme des cuisiniers, mais... Et en fait, cette popote va créer une sorte de boucle vertueuse où en fait le même produit va passer de différentes prep en différentes prep. Je vais l'illustrer du coup avec une des recettes qu'on a vendues cet été, à la fin de l'été. Donc c'est ce qui est en photo, c'est ça là ? Ça, c'est une autre, mais que j'en parlerai juste après. D'accord. On l'a vendu du coup cet été, à la fin de l'été à Classique, qui s'appelle l'Ustaritz. Le produit saisonnier de base qu'on a utilisé, c'est la prune. À la prune, on a voulu associer le poivron. Et à partir en fait, de ces deux ingrédients, c'est là où on a construit notre cocktail. Donc, la prune, on l'a travaillée en une sorte de cordial qui est dérivée d'une technique de cuisine qui s'appelle la gastrique. La gastrique, c'est un caramel déglacé au vinaigre. Là, à l'inverse, on ne poursuit pas totalement le caramel. On le laisse prendre, mais on ne le mène pas à son but. C'est de la cuisine, là, quand même, là. Hein. Un peu, c'est de la popote. Au lieu de déglacer au vinaigre, en fait, on va déglacer avec les prunes coupées grossièrement. On fait un mélange de prunes, on fait un mélange de quetch, prune rouge et mirabelle, qui vont du coup compoter dans le caramel. Une fois qu'elles ont bien compoté, on va mouiller avec un vin de macération de Gewürztraminer et de Pinot Gris qui nous vient d'Autriche. Acidité, c'est vrai, ouais. Qui a une belle acidité et aussi qui a des notes justement de fruits à noyaux qui vont soutenir la prune. On assaisonne un tout petit peu entre guillemets avec un petit peu de thé jasmin, de trois cardamones, de la badiane. On laisse porter une fois que c'est à ébullition, on sort du feu, on filme, on laisse reposer. Ça, c'est notre base entre guillemets. D'accord. C'est ce goût-là qu'on va vouloir pousser. Pour le pousser, justement, il va falloir faire cette boucle dont je parlais. Donc on filtre le cordial au fond du coup du chinois étamine. Il nous reste toutes les prunes qui sont bien confites, qui sont délicieuses. Il faut se retenir de ne pas toutes les manger. On va les récupérer et les faire infuser sous vide en cuisson avec notre assemblage de vermouth qu'on a créé pour soutenir l'autre goût du cocktail qui va être le poivron. Cet assemblage de vermouth, il y a du dolin blanc parce qu'il a ses notes végétales très vertes qui vont soutenir le poivron, et de l'élixir de la dame dry, qui lui a des notes très fraîches, très anisées, très sapin. Une marque de vermouth français. Exactement, voilà. Par Romuald Vincent, ouais. Qu'on aime d'amour. Qui illustre totalement... qui est présent d'ailleurs sur le salon. Exactement, sur le salon. Ouais. Allez goûter ce qu'il fait. Et qui illustre totalement l'évolution des vermouths aujourd'hui. Il fait partie de ces producteurs, de ces savants fous qui sortent des vermouths qui... Bien passionné des produits. Hein, qui sont des supports des plantes, de création voilà. Absolument dingues. Mmh. Mmh. Exactement. Donc cet assemblage, on le fait cuire sous vide avec les restes des prunes et des poivrons grillés. On les a grillés pour enlever un petit peu de leur amertume. Ça cuit sous vide. On filtre et on a du coup cet assemblage de vermouth qui soutient la saveur qu'on voulait de notre cocktail, qui est prune et poivron. À ça, on ajoute juste une petite infusion un petit peu corsée de cacao, piment d'Espelette et cacahuètes qui vont juste aider, grâce à leur amertume et leur piquant, à pousser
le cocktail à travers la dilution, car une des difficultés des cocktails low ABV, c'est de garder de la puissance dans les goûts, de la longueur en bouche, malgré la dilution. C'est aussi après à nous d'adapter notre manière de shaker, etc. Je rebondis sur ce que Guillaume dit, parce que c'est vrai, c'est un cocktail dont il est en train de parler, low ABV. Mais low ABV, ça veut dire à faible teneur d'alcool. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilise pas de spiritueux, à savoir un petit centilitre ou une petite bar spoon. Bah, c'est combien maximum un cocktail low ABV? Il y a des canons qui sont définis. On pourrait dire que c'est en deçà de 20 degrés. D'accord. Autour de 17-18. Mais nous, sur ce type de drink, c'est des low ABV qui n'utilisent pas de spiritueux. Tout le défi de ce que Guillaume explique sur son approche culinaire, il est là. C'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur un petit centilitre ou une bar spoon de mezcal pour apporter de la longueur, du fumé, un petit peu de kick. On s'appuie réellement sur la façon, l'approche culinaire que Guillaume est en train de parler pour que les gens qui ont peut-être un peu de mal à illustrer le propos comprennent. C'est que la préparation, les prépas que Guillaume va faire de manière assez poussée, elles ont pour objectif d'apporter du goût, de la longueur, de la puissance. Et le vermouth va venir soutenir cette puissance qu'on crée dans la préparation. Oui, qui amène un équilibre, c'est ça, un petit peu, non? Oui, exactement. Exactement. Ce cocktail, du coup, je peux te le faire. Très bien, on y va. si tu veux goûter. On a tout apporté. Et puis moi, je vais commenter ce que Guillaume fait. Voilà. Donc, il s'appelle comment, ce... Il s'appelle Ustaritz. Il s'appelle Ustaritz. C'est la ville, le petit village où habite ma maman. Une dédicace. Exactement, ouais. Puisque ça utilise tout plein de produits de la région basque, dont le mollet basque qu'on fait, que Guillaume décrivait, à base de piment d'Espelette et de cacahuètes. Donc ce casque important, est-ce que c'est un cocktail qu'on trouve encore à la carte? Ou il faut le demander? Exactement, c'est un cocktail qu'on ne trouve plus à la carte en ce moment, puisque on a lancé une nouvelle carte qui s'appelle le menu du marché. On l'a lancé vendredi dernier. C'est une carte qui est hebdomadaire. Donc chaque semaine, il y aura 2 ou 3 cocktails qui vont changer pour être au plus proche des saisons. Donc le Ustaritz n'y est plus en ce moment, mais la prune est toujours présente dans un cocktail qu'on appelle la prune royale, qui est un twist du Quai Royal à base de prune, de vinaigre, de Pedro Jiménez et de champagne. Intéressant aussi. Voilà, donc je vous invite tous à venir. Chaque semaine, vous aurez un petit peu des surprises. Donc Guillaume, il vient de verser le cordial de prune dans le shaker. Donc il y en a combien? 3 centilitres. 3 centilitres. Je viens. Je suis assez... étonné sur les saveurs. Merci. Déjà au nez, on sent vraiment. Il y a un gros travail sur la prune. Donc ensuite, il va mettre un peu de citron vert pour équilibrer le tout, apporter un peu d'acidité. Donc combien de citron? 2 centilitres. 2 centilitres. C'est quand même pas mal déjà, 2 centilitres. Hein. Ouais, mais vu qu'il y a 3 bons centilitres de cordial, ça se mérite. C'est excellent, c'est bon, c'est pas trop sucré, c'est bien équilibré. Le vin de macération aide beaucoup justement à avoir un cordial qui est équilibré, qui a une teneur en sucre qui va soutenir le goût. Puis même la texture qui est pas trop épaisse. Ouais. Donc là. Là du coup je verse 6 centilitres de notre assemblage, qui est donc le Dolin blanc et l'élixir de la dame infusé au poivron grillé et aux prunes, et notre petite, on va dire, essence de cacao, piment cacahuète, qui sont du coup qui est une infusion très concentrée dans un petit assemblage de vins mutés, Ratafia et Pedro Jiménez principalement. Donc là, c'est un assemblage de vermouth, mais autrement, vous travaillez aussi avec des vermouths comme ça, tout simple. Là, c'est pas pour tous les cocktails, hein. Là, c'est des assemblages de... Non. Non, chaque cocktail est différent, chaque cocktail a une structure différente, ça peut être un vermouth qui suffit à lui-même, comme ça peut être combiné avec un bitter, un amer, une liqueur. À la carte, il y a toujours comme ça plusieurs cocktails avec cet assemblage comme ça. Oui, tous nos cocktails de manière générale ont un assemblage de vin fortifié, de vermouth, etc. D'accord, c'est bien de le préciser ça, si c'est pas très courant. C'est ce qui va venir donner... Après, le mélange des vins, c'est quand même assez courant, mais en général, pour apporter, pour complémenter un vermouth qui va être un peu sweet, apporter un peu de vin de Xérès qui va être oxydatif pour lui donner une longueur. Donc nous, on travaille pas mal de cette manière-là. Il y a Guillaume qui va shaker un petit coup. D'accord. Voilà, oui, c'est un shake qui va être très court. Puisque justement il n'y a pas de spiritueux à proprement parler, il ne va pas falloir trop diluer le cocktail pour qu'il perde
en aromatique. D'accord, c'est intéressant de préciser ça. Ça va être vraiment pour le rafraîchir, pour lui apporter juste une dilution, juste ce qu'il lui faut, quoi. Une jolie couleur, une mousse et voilà, fine. Loustarite. Fine. Santé. Déjà, on sent la prune même encore au nez, là. C'est excellent, c'est frais, donc c'est vrai, c'est parfait pour à boire en terrasse. Là, tu sens une légèreté, je pense que tu en bois 3-4 hein, à la suite là. Hein. Oui. C'est vrai qu'il est bon. Donc voilà, ça c'est pour illustrer un petit peu notre manière de fonctionner, comment on peut soutenir justement des saveurs avec des cocktails qui n'utilisent que des apéritifs. En effet, il y a un petit peu d'huile de coude, un petit peu de préparation en amont. Mais c'est. On est. Enfin, les énonces. Vous mettez combien de temps pour faire ce genre de cocktail hein? Là, on va dire qu'en préparation, en amont, il y a peut-être une petite heure et demie, quelque chose comme ça. Parce qu'il faut faire le sirop. Le sirop, il te prend une chance. Mais après, la réflexion. Ça, autre chose. Oui. Disons qu'à Classique, on a chaque jeudi une journée entière de recherche et développement. Pour dire le mot. Tous les deux, comme ça Tous les deux, avec Ben aussi, qui contribue à cela. Donc, on a une journée par ben, semaine. C'est qui Benjamin, c'est mon associé. D'accord. qui est pas là aujourd'hui physiquement, mais dans nos cœurs. Mais qui est avec nous. Voilà. Et regarde, je suis sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais il va pas tarder à arriver sur le salon, d'ailleurs. D'accord. On va aller se jeter un petit verre après, j'imagine. Et du coup, oui, chaque semaine, on se garde une journée entière pour avoir une réflexion sur les cocktails de la semaine d'après, vu qu'on change. Des cocktails de manière régulière toutes les semaines, et ce qui nous permet à trois cerveaux d'être assez efficaces, tout en ayant tout au long de la semaine une réflexion, quelque chose qui mature après notre séance de R&D. Toute la semaine, on continue de s'en parler, on met en place des préparations. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à Classique, sur presque tous les cocktails, on travaille à plusieurs cerveaux. Donc ce qui vient apporter un peu de complexité, et surtout ce qui vient mettre un terme des fois à des process de création laborieux. Des fois, un cerveau, on a une idée, on n'arrive pas à la mettre en place. Il suffit que Guillaume arrive et dise « Ah, et si on équilibrait avec ça ?» et vice-versa. Oui, il y a un vrai échange. C'est vraiment vertueux et on s'éclate. Et ça, en plus, je pense qu'on peut manger aussi, comme si c'était avec. Exactement, ouais. Ce sera un autre point. Ne nous volez pas la conclusion. Mince, excusez-moi. Oui, voilà. Un des autres procédés qui fonctionne excessivement bien avec des cocktails 100% apéritifs, 100% vermouth, c'est le mille-ponche clarifié. Qu'on utilise beaucoup aussi à Classique. Il fonctionne très bien car le mille-ponche, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est qu'un mille-ponche clarifié, c'est un procédé de clarification où on utilise, comme son nom l'indique, du lait. Donc le ponche, la recette appartient à chacun. L'ajout de lait dans le ponche, avec l'acidité du citron ou de l'alcool, peu importe, va faire cailler le lait. Le lait en caillant va créer une réaction chimique en fait entre les gros acides aminés du lait comme la caséine etc vont faire ce qu'on appelle une sorte de collage un peu ce qu'ils font dans le vin pour filtrer la caséine du coup va attraper toute la pulpe toutes les autres protéines on va dire entre guillemets pour clarifier le cocktail. Une fois filtré, le ponche ressort translucide. Il reste le petit lait à l'intérieur qui, lui, est translucide et qui donne juste une texture très soyeuse. Et l'autre, en fait, effet très intéressant du mille-ponche clarifié, et ce pourquoi ça fonctionne du coup très bien avec un vermouth, c'est que le ponche clarifié a... la caséine a aussi des interactions avec les particules volatiles de l'alcool. Elle va faire exactement la même chose, elle va les coller. Ce qui fait que une fois filtré, le ponche est dénué de toute sensation alcooleuse, on va dire, de la puissance de l'alcool. Ce qui est intéressant, du coup, avec le ponche clarifié, c'est que quand tu n'utilises que du vermouth, il n'y a déjà pas cette sensation d'alcool fort. Ce qui fait que... Pas de gueule de bois le lendemain. Voilà. Ce qui fait que, voilà. Ce qui fait que dans la création du ponche, les goûts de ton ponche vont être restitués très fidèlement après la clarification, contrairement à un mille-ponche utilisant de l'alcool fort où le goût du ponche avant filtration et après filtration va être excessivement différent. Donc à Classique, on utilise beaucoup de mille-ponches. On utilise pour le coup les mêmes principes d'assemblage, de cercles vertueux, de popotes.
et avant la clarification, et ça fait des mille ponches qui sont vraiment, vraiment excellents et qui, si jamais on devait les comparer aux ponches avec de l'alcool fort, ils n'ont rien à leur envier en termes de complexité aromatique, il de plaisir. Tester, voilà, absolument. Exactement. Oui, là, on en a un en particulier qu'on servait cet été. J'ai une photo, là. Exactement. Qui était avec des melons rôtis aux fèves de cacao et un petit assemblage de vin muté qui utilisait exactement les mêmes procédés que j'ai décrits auparavant, qu'on utilise à classique. Là, exactement, voilà. C'est ça que tu exactement. Nous prépares, en fait, il y a après un autre, un autre abord qu'on a du cocktail au vermouth à classique. Il va être décrit par Hugo, qui est très très doué d'accord. pour ce genre de choses. Et je laisse la parole à Hugo. Ouais. Du coup, là, Guillaume, vous parlez un peu de l'approche très culinaire, assez pointue sur comment pallier au fait de pas utiliser de spiritueux. En contrebalançant et en travaillant d'abord une saveur et de la booster avec des vermouths et des apéritifs. On a aussi une autre méthode de travail qui est de récupérer la tradition de l'apéritif, donc tradition qui est plus de centenaire et qui est encore aujourd'hui une tradition qui se vend énormément. Apéritifs, Americano, Negroni Sbagliato, Spritz, etc., etc. sont des cocktails qui sont très commandés et très demandés. Du coup, nous, on a cette façon aussi de travailler l'apéritif. Donc là, je ne sais pas si les gens voient la photo. Si, si. Ouais. Tout le monde et voit. Voilà. Ben celui-là, c'est le Negroni Rata, donc on modernise le Negroni Sbagliato, qui est vermouth rouge, bitter, prosecco. À classique, on le travaille, on va le moderniser, mais on va garder exactement la même approche. Là, ce ne sera plus un goût, une saveur définie qui va être la ligne éditoriale du cocktail. Là, on modernise l'assemblage. Donc, sur ce cocktail, on va travailler un blend. Donc, on va utiliser le vermouth rouge de Romuald, de Dame de Pique, et qu'on va venir couper avec du cinar et du Dolin Bitter pour la partie amère, et un vin de Madère qui a 3 ans, donc qui va être très sec et noisté. Donc, l'innovation se fait sur l'assemblage, juste pour moderniser un peu les goûts, et on va juste venir faire infuser le tout avec de la feuille de figuier, qui va apporter une légère acidité et un petit goût régressif de noix de coco qu'on va allonger au champagne. Voilà, c'est juste une manière de moderniser les canons. Donc là, on peut le faire, là ? Oui, on va le faire. Bah, Guillaume va le faire en même temps que j'explique, du coup. Reste peu de temps. Alors. Voilà, il nous reste peu de temps. Et du coup, c'est vraiment une façon pour nous aussi de travailler à classique, qui est de reprendre les exemples de l'apéritif, de la tradition de l'apéritif, et comment apporter un côté un poil plus complexe, un petit peu plus élaboré. Donc il y a le Negroni Rata qui est notre ambassadeur. On en aura bientôt plus, que les feuilles de figuier arrivent à leur fin et on en a un petit stock. Oui, c'est ce que là, voilà. La garniche qu'on voit. Exactement. Donc là, sur un petit verre long drink, c'est ça ? Voilà, ouais. Voilà, c'est un long drink. Là, on a un verre qui est un poil plus petit aujourd'hui au salon, mais ça fera très bien l'affaire. Et aujourd'hui, sur le menu de classique, par exemple, on a aussi un autre exemple. On refait une bicyclette qui est un assemblage de vermouth rouge et de vermouth dry avec un bitter et de l'eau gazeuse. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait cet assemblage de vermouth rouge et dry avec un bitter. On garde exactement la même structure. On va juste venir faire infuser le tout au café, rajouter un poil de sirop de café et on fait un petit vinaigre de betterave qu'on met dedans et qu'on top au Perrier. On reste sur cette tradition. Il n'y a pratiquement pas de préparation, mais ça donne des goûts très intenses, équilibrés, et c'est des cocktails qui se boivent sans soif. C'est le cocktail apéritif. Et ça, c'est vraiment une tradition qu'on aime à classique. On veut perpétuer cette tradition. Toujours du cocktail ABV, apéritif. Là. Low ABV, long drink, facile à boire, qui laisse place après au repas. Ce pas des cocktails qui vont être très riches en termes de texture. Donc on peut manger, en fait. Exactement, voilà. C'est fait pour. C'est des cocktails qui sont profilés. Ça ouvre l'appétit et en même temps, on peut manger. Exactement, ça ouvre l'appétit. Ça casse pas trop la tête non plus. Et en même temps, on peut passer à table derrière. Donc Guillaume a mis 6 centilitres du blend que je vous ai expliqué. Il a mis 2-3 coups de cuillère histoire de le refroidir. Et après, on vient toper le tout avec du champagne blanc de noir. Je me demande si on va rendre la place. Et il vient l'allonger. Le verre est peut-être un poil petit. Magnifique. Mais ça va aller, voilà. Ouais. Peut-être boire une Laurence qui va en première. Voilà. Ouais.
Et donc lui, c'est quand même l'un des cocktails ambassadeurs de classique, hein, qui respecte la tradition de l'apéritif. On va y arriver. On va chercher un petit... Ah oui, c'est bon. Petite touche amère, là, par contre. Ouais. On est vraiment sur un profil aromatique très différent. Exactement. Mm. Mais ça illustre bien les deux propos. On est sur un long drink amer et un petit peu complexe, avec un bel assemblage et une infusion. A contrario de l'Oustaritz, qui va être sur quelque chose de, des goûts beaucoup plus marqués et avec une approche très culinaire. Donc, c'est nos deux manières de travailler à classique qui sont, je trouve, très complémentaires et qui fonctionnent très bien pour nous, ma foi. Non, c'est passionnant en tout cas. Voilà. On a envie de venir à classique dès ce soir. Et ben, c'est ouvert ce soir d'ailleurs. Ça tombe bien, on est ouvert. Voilà. Après le salon, je file ouvrir le bar. D'accord. Voilà. Bon, on va pas trop te bloquer sur le salon. Et pour en petit mot de la fin, si on a encore une petite minute. On a une minute. Voilà. Avec Guillaume, en préparant un peu cette conférence, on a remarqué que les cocktails vermouth, les vermouth cocktails, surtout dans la manière de l'approche assez culinaire, pour nous, ont un avenir tout particulier qui serait les pairings avec la nourriture. Donc nous, on voit bien l'évolution des vermouth cocktails à table dans les restaurants qui laissent place à pouvoir déguster, manger, faire des ponts entre les deux. On pense que le vermouth a encore de très belles années devant lui et qu'on n'est pas prêt d'être surpris. Quoi. Voilà. Et là, franchement, on a appris plein de choses pendant 45 minutes avec vous. On espère que vous n'êtes pas endormi en tout cas. Pas du tout. Et on a dégusté des bonnes choses. Bah, merci beaucoup en tout cas Hugo et Guillaume. Merci Laurence. Voilà, donc merci on donne rendez-vous donc ce soir donc à Classic Bar. Donc rappelez l'adresse. Alors c'est au 1 bis rue Lallier, Paris 9. On est entre Anvers et Pigalle. D'accord. Exactement. Puis aussi allez voir toutes les marques de vermouth qui sont présentes à France Quintessence. Il y en a quelques-unes. Voilà. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci. Ça fait très plaisir. Salut. Salut.